Accent aigu, accent grave ou accent circonflexe Écoutez, cette vidéo vous aidera à savoir les distinguer. Avant de regarder plus en détail les endroits où on doit mettre les différents accents, il est intéressant de se demander d'où sort la confusion. En fait, c'est qu'en France et en ses départements, comme l'île de la Réunion, il y a eu à travers le temps ce qu'on appelle une perte de contraste phonémique. Autrement dit, dans ces régions, il y a un son de la langue qui s'est perdu lors de son évolution. Au Québec, on a gardé la différence de prononciation entre la voyelle e et la voyelle é. E. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt rare ici qu'on confonde des accents sur la lettre e. Concrètement, en termes d'articulation, la distinction entre e et e est l'ouverture de la mâchoire. La voyelle e est un peu plus fermée que la voyelle é, e, comme on peut le voir grâce à la coupe sagittale ici. Ça représente une tête de côté, comme vous pouvez le constater. Donc, ici, la différence entre « et » et « est » est l'ouverture de la mâchoire. On doit plus ouvrir la mâchoire pour le son « est ». Donc, qui dit prononciation différente, dit aussi graphie différente. On va maintenant regarder ça un peu plus en détail. Mais avant de parler de la place des accents, il serait pertinent de montrer les cas où on n'en a besoin d'aucun. Alors, on ne doit pas mettre d'accent lorsque le « e » précède une consonne double, lorsqu'il précède trois consonnes collées, ou lorsqu'il précède la consonne « s » suivie d'une autre consonne en début de mot, comme dans « lunettes »,« escrime » et « escalier ». On ne doit aussi mettre aucun accent lorsque le « e » précède la consonne « x », comme dans « examen »,« exaspérer » et « exiger ». Ou lorsque le « e » précède une consonne sonore à la fin d'un mot, comme dans « faire »,« vers » et « bref ». Dans le cas de « vers », oui, c'est vrai qu'à l'écrit, il y a deux consonnes, mais on en prononce juste une. Si vous avez bien remarqué, dans tous les cas présentés ici, la voyelle doit être prononcée de façon ouverte « e ». Maintenant, voyons l'accent grave. On dit qu'il est de mise lorsqu'on prononce la voyelle de façon ouverte mais on a vu que connaître la prononciation correspondante pouvait vous poser problème. Donc, on va regarder les emplois de l'accent grave de façon plus précise. Souvent, on va retrouver un accent grave lorsque la voyelle E précède une syllabe muette, comme dans mère, crème et règle, et aussi lorsque le E est contenu dans une syllabe finale où il y a une consonne S qui n'indique pas le pluriel, comme dans très, après et si près. Par la suite, il y a l'accent circonflexe. Encore une fois, on le met pour indiquer que c'est la voyelle ouverte qu'on doit prononcer. Ce qui est dommage dans le cas de l'accent circonflexe, c'est qu'il n'y a pas de règle systématique qui indique sa place. Les exemples de mots qui comportent un accent circonflexe sont arrête, blême, enquête, fenêtre, guêpe, honnête, intérêt, quête, etc. Il est bon de savoir que l'accent circonflexe ne sort pas de nulle part. En fait, quand on regarde l'étymologie des mots, donc leur origine et leur évolution, on remarque que l'accent circonflexe est apparu pour remplacer certaines lettres qui suivaient le E. Souvent, en fait, c'était pour remplacer un S. Donc, par exemple, avant, on écrivait fenêtre, F-E-N-E-S-T-R-E. Enfin, on arrive à l'accent aigu. La règle est la suivante. On doit mettre un accent aigu lorsqu'on fait référence à la prononciation fermée. Encore une fois, comme ça peut porter à confusion pour certains, on va voir plus d'indications. L'accent aigu peut se placer lorsque la voyelle débute un mot comme dans éléphant étudiant ou ébénisterie. Aussi, on le retrouve souvent lorsque la voyelle termine un mot comme dans thé »,« Canapé, ou participe passé. C'est vrai que dans ce dernier cas, il y a un s après la voyelle, mais comme il est muet, ça ne compte pas. Il est à noter que l'exemple participe passé a été employé à la fois pour vous montrer que passé prend un accent aigu, mais aussi pour signifier que tous les participes passés des verbes du premier groupe, donc ceux qui se finissent en er à l'infinitif, vont prendre un accent aigu. Finalement, on met un accent aigu lorsque le e se trouve au milieu d'un mot et qui n'est dans aucun cas plus particulier qu'on a vu tantôt, comme quand il était question des consonnes doubles, par exemple. Ainsi, les mots mélanger, télévision et réfléchir, entre autres, vont prendre un accent aigu sur le E. Avant de conclure, il faut noter que les accents ne sont pas les seules possibilités pour représenter le son e ou le son E. Il n'y a qu'à penser aux mots nez, pied, manger, clé et aiguisoire ou encore au mot ballet et aux terminaisons de l'imparfait par exemple. Bref, si on hésite à savoir quelle est la bonne orthographe d'un mot, on pourra toujours compter sur les dictionnaires pour nous aider.